Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local qui sera suivi de Sport 10. Là, ce sera l'actualité sportive avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022 et beaucoup ont du mal à digérer la nouvelle augmentation du prix des carburants, à commencer par les marins-pêcheurs ou des gens lambda comme moi-même, tiens. Avec 13 centimes d'augmentation, les professionnels de la mer n'en peuvent plus et disent stop. Ils ont bloqué l'accès au chenal du port ce matin. Regardez. Plus de mobilisation à ces camarades-là. Parce qu'en fait, nous prenons une augmentation en carburant à plus de 13 centimes et actuellement, nous pas du tout rentable en réalité, nous totalement à perte. Et ça n'est pas tenable en réalité, donc c'est ça qui est arrivé. Et en plus, nous avons mis en place des groupes de travail qui n'ont pas fait le rôle là, n'ont pas fait les réunions comme ça a été prévu. Donc je dis là, mobilisation, il n'y a pas de tienne parole à eux. Nous toujours tienne parole en nous. Et je dis là, ça n'est pas tenable, il faut que chacun prenne responsabilité à eux. Nous rapportons nous, c'est vrai que ça peut faire perturbation, mais je dis là, si c'est pour amortir tout ça, nous n'est comme dépenses, frais, augmentation, et augmentation en carburant là, il faudrait nous passer à 20 euros le kilo prix à poisson là. Il n'y a pas qu'à penser que je dis jour, la population n'a la capacité à payer un kilo poisson 20 euros. Donc c'est ça la problématique là, c'est-à-dire que je dis jour, nous coincés. Ça marchait pendant 6 mois, et là, regardez, 6 mois après, nous avons pour 30 centimes encore. Et j'ai regardé, nous avons même dépassé tous les seuils que nous tenions l'année passée. Donc je dis, les débitants que nous tiennent, nous absorber. Mais là, ça n'a pas, pas donné à bon quoi. En même pas. En 5 mois, au point 30 centimes. Là. Donc finalement, nous sommes devenus dans la même situation que l'année passée, voire plus mauvais. Alors, parce qu'à côté de ça, on a une inflation sur tous les produits qu'on va utiliser à la pêche, pièces à motel là, code là, tout bitin. On a des produits qui doublent. Donc en fait, on ne peut pas en sortir. Pas ni pour filtre, pas monde pas passer ni à gauche, ni à droite, ni en mi-temps. Vous avez passé essentiel, sinon on va arrêter à terre. Ouais, il a fait ma chariot, il a reparti. Pas monde pas passer, pas monde pas passer. Donc, pas essayer quoi. Quand on vient du voir dans ça, ni pêcher bloqué aussi. On a 600 entreprises de pêche, on a 1200 marins, et sans compter tous les emplois qu'on a généré. Qu'on a fait de yo. Est-ce que nous allons mettre ça dans la balance aussi? Ça, c'est un coup d'éclair qui a fait Marie Galante là, mais là, au quotidien, pourquoi faire de ces mounas ça? Pourquoi faire quoi de eux? Est-ce que quand ils sortent Marie Galante, ils viennent acheter poisson à 20 ou le kilo mardi pour moi? Si ils disent qu'ils ont fait, nous allons laisser passer. Hein? Tout le monde a engagé, ils ont fait. Malheureusement, nous savons bien que. Après, c'est une problématique de fond, quoi. Chacun a fait habiter à eux, à façon à eux. On va comprendre l'amusement là aussi, c'est très important. Mais je dis jour. Nous pas dans la capacité à nourrir nous-mêmes. Et on est des gens qui ont des investissements conséquents. Et après ça, si vous regardez ces barrages-là, c'est un qui jeune bouc qui là. Pas ni vieux corps. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une nouvelle génération qui a mis en place. Et à chaque fois, nous avons dit que les jeunes ne peuvent pas faire rien. Donc pour une fois, où on est dans des filières, une petite génération qui a essayé d'installer, il faut nous encourager, il ne faut pas nous tuer. Parce que si vous regardez tout schéma, quasiment tout là, si vous n'avez pas une aide familiale, il ne peut pas conserver le métier. Donc, nous avons une vraie problématique de fond et ça, faut nous résoudre. Parce que si vous n'avez pas de manger dans le pays, vous passez en pays. Le chenal du port qui est toujours bloqué et une délégation de pêcheurs est en ce moment en préfecture pour tenter de signer un accord. Mais effectivement, ça risque de beaucoup compromettre le week-end festif de la Pentecôte. Il y a un blocage qui empêche d'ailleurs le trafic maritime entre la Guadeloupe et les îles du Sud, dont Marie-Galante, vous l'avez compris. De quoi énerver certains passagers bloqués à quai. Le reportage. Là, depuis ce matin, on est là depuis 7 heures. Bon, on attend et je ne comprends pas pourquoi c'est nous qui sommes bloqués. Population qui n'a rien à voir avec le mouvement qui se passe. Du coup, on est là, on attend, et on n'a pas de résultat. Voilà quoi. Je les comprends, mais d'un côté, c'est pas de notre faute à nous. Donc, pour barrer alors qu'on ne peut pas partir pour aller à Marie-Galante, c'est pas évident pour nous. C'est assez difficile. Je suis dans l'attente depuis ce matin, mais ça reste une situation particulière. Voilà.
Donc je le vis, j'attends, en espérant que ça va être débloqué, qu'on pourra rejoindre Marie-Galante pour profiter de ce bon week-end de la Pentecôte. Je ne pourrais pas dire que je ne comprends pas. On comprend toujours ce qui se passe, on comprend les revendications, en tout cas des pêcheurs. Bon, après, ce qui a plus à déplorer, c'est les conséquences que ça génère, mais je pense qu'ils sont conscients de ça aussi. Donc bon, comment dire, je comprends la situation. Malheureusement, nous sommes pris en otage. Nous avons un événement ce soir à Casasic et je suis venu avec à Pipo Gertrude, avec Alex Bernard qui viennent de la Martinique. Donc ça veut dire que si je ne me déplace pas aujourd'hui pour Marie-Galante, ça veut dire qu'il faut que je trouve un hébergement ce soir pour ces messieurs, ainsi que je leur donne, que je les nourrisse, parce que ce n'était pas prévu. Donc voilà. Je comprends, je suis solidaire avec les pêcheurs. Le problème, bon, moi, c'est que ça bloque un pays. Ça bloque Marie-Galante, quoi. Donc ça, c'est pas sympa. Après la COVID, tu as ce genre de problème-là, je veux dire que le chiffre d'affaires de Marie-Galante va descendre au plus bas, et ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas prendre les gens en otage comme ça. Il faut le faire autrement. Il faut réfléchir à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Par contre, moi, d'accord, et puis ça y est, qu'a fait. L'essence quantita, trop cher. Et voilà, quoi, il n'y a pas plus à dire. À plus d'un euro 90 le samplon et plus d'un euro 80 le diesel. Effectivement, on aurait tombé d'accord sur le fait que l'essence coûte quand même relativement très beaucoup cher. Et petit focus maintenant sur le projet d'agroparc qui doit voir le jour sur le territoire de Cap Excellence. Ce nouvel outil vise à valoriser la matière première agricole de chez nous, qu'elle soit brute ou transformée. De quoi consolider notre agro-business et faire un pas vers l'autosuffisance alimentaire dont on parle tant depuis des années maintenant. Regardez. L'Agroparc Cap Excellence est un projet élaboré par la communauté d'agglomération Cap Excellence. C'est un équipement performant, innovant que nous voulons mettre à disposition des agriculteurs et des agrotransformateurs de la Guadeloupe proprement dite, mais aussi des dépendances. Parce que le président Jalton, très tôt, et la communauté d'agglomération Cap Excellence, nous avons considéré qu'il nous fallait cet instrument pour permettre à la Guadeloupe d'avoir quelque part la possibilité d'aller vers l'autonomie alimentaire. C'est un instrument qui nous permettra d'envisager plus sereinement l'organisation des filières, l'utilisation des matières premières que nous avons ici sur notre territoire, et de créer quelque part, à partir de la transformation de ces matières premières, des produits qui pourront alimenter notre population. Voilà l'objectif de l'Agroparc Caraïbes Excellence et par la suite, bien évidemment, de rayonner également au niveau de la Caraïbe. Les journées de l'agrobusiness, ce sont des journées qui sont consacrées au secteur de l'agro-transformation et de l'agriculture. Cela se passe dans le cadre du projet d'Agroparc Caraïbes Excellence porté par Cap Excellence qui sera un équipement dédié justement à tous ces métiers du secteur de l'agro-transformation. Bien sûr, l'agro-transformation qui a pour but de valoriser la matière première agricole locale. Il faut avoir à l'esprit également que si la production en Guadeloupe, quelque part, l'agriculture en réalité, réalise une richesse en termes de production et de savoir-faire, mais les filières liées à la go-transformation peinent à se développer par manque de structuration. Donc il s'agit pour nous là de donner un élan nécessaire pour que tous ces acteurs puissent se retrouver et échanger. On est là dès le départ de leur projet, puisque leur projet va s'articuler autour d'un outil qui va les aider à organiser leur production, donc organiser leur activité. Et à partir de là, on va pouvoir leur donner les outils qu'il faut, comme nos solutions de gestion, comme VIF, qui est un ERP, c'est-à-dire un outil de gestion intégré, qui leur permet de gérer leurs produits, matières premières, pour le transformer sur leurs produits finis. La communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, elle se penche sur la maîtrise du foncier de ces six territoires. En Guadeloupe, l'indivision fait rage et empêche le développement de certaines zones. C'est sans compter d'autres contraintes, comme les plans de prévention des risques naturels qui classifient justement et qui empêchent aussi d'établir certains projets. Alors pour ce faire et faire émerger des solutions, les élus effectuent des brainstorming autour de cette question on ne peut plus complexe. Le reportage. Bien évidemment, nous sommes sur le territoire de la commune de Nord-Basse-Terre et les six communes du Nord-Basse-Terre sont impactées par cette problématique.
Déjà, on ne peut pas penser développement d'une collectivité ou d'un EPCI si on ne maîtrise pas le foncier, développement au niveau économique, mais à tous les niveaux. Et puis surtout, on rencontre des problématiques qui sont liées au retrait du trait de côte, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Nous avons aussi la problématique de l'indivision, parce que nous avons des personnes qui ont été propriétaires, mais qui n'ont jamais pu faire le partage de leur parcelle. Et par conséquent, ça pose problème pour pouvoir développer le terrain, développer le territoire du moins. Et en effet, les maires que nous sommes, ainsi que le PCI, le président de le PCI du moins, nous nous mettons à ces difficultés-là pour pouvoir développer le territoire. C'est un gros problème parce que, comme je le disais, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Je parlais de l'indivision, il y a le PNR aussi qui intervient, qui limite souvent les collectivités dans le développement de leur territoire. Nous avons des zones rouges, des zones bleues, des zones agricoles, nous avons des zones réservées, et tout ça constitue l'ensemble du territoire, constitue l'ensemble des terrains qui sont sur le territoire d'une collectivité. Aujourd'hui, il s'agissait pour tout un chacun d'émettre des avis, de dire ce que nous vivons sur le territoire, puisque dans les Outre-mer, d'une manière générale, on n'a pas les mêmes problématiques en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion. Donc, il s'agit de faire un brainstorming, en quelque sorte, relever tout ce qui concerne la Guadeloupe et essayer d'arriver à trouver des solutions que l'on pourrait proposer au gouvernement pour faire évoluer la chose. Le financement reste l'un des principaux freins à la création d'entreprises. Alors, pour pallier, l'ADI donne accès à des prêts pour les personnes en difficulté allant jusqu'à 15 000 euros. Un coup de pouce présenté aux nouvelles femmes entrepreneurs de la ville de Mornalo. Le reportage. On a voulu mettre l'accent sur l'entrepreneuriat féminin parce qu'on s'est rendu compte que les femmes éprouvaient pas mal de difficultés en fait pour lancer leur projet professionnel. Il y a une étude qui a été menée au niveau de l'ADI au national et on s'est rendu compte que les femmes se heurtent à beaucoup de freins. Notamment, le principal frein, c'est l'accès au financement. On voit que c'est compliqué d'avoir un crédit bancaire pour lancer son projet. Donc voilà, on est là, on a voulu axer l'entrepreneuriat au féminin pour porter un message fort aux femmes qui désirent se lancer et pour leur dire qu'elles peuvent pousser les portes de l'ADI pour avoir un financement chez nous ou pour lancer leur projet. Ça a été le premier coup de pouce pour moi. Étant vécue sous Paris, j'avais déjà eu un accompagnement avec l'ADI et quand je suis revenue au pays, c'était tout naturellement que je me suis dirigée vers l'ADI parce qu'ils ont pu m'accompagner, donc, que ce soit au niveau de des prévisions financières et au niveau du coup de pouce financier aussi, parce qu'il faut dire que ça a été les premiers qui ont été réactifs. Quand on a besoin d'être accompagné au début, ben ils ont été là, ils ont répondu favorablement. Donc on a ici des porteuses de projets, on a des femmes qui sont déjà en activité, qui sont entrepreneuses. Et donc c'est vraiment l'idée d'échanger les côtés positifs, les côtés négatifs, les difficultés, mais aussi les bienfaits de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des femmes, c'est possible. C'est possible, il faut faire confiance. Et nous, on est là en tant que déjà en création pour pouvoir aider, pour pouvoir faire un partage. Je leur ai parlé du temps. Le temps ne vous appartient pas. Et si vous ne prenez pas conscience de tout cela, eh bien forcément, vous irez droit dans le mur parce que vous allez babiller tout le temps, vous allez vous plaindre tout le temps, que fait coller, et ça ne sert à rien. Les peurs, vous en aurez. Si vous n'avez pas encore réglé vos propres problèmes avec vous, allez les régler avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important parce que, en fait, les peurs, c'est comme si vous voulez avancer, mais il y a quelque chose qui vous tire à l'arrière. Dans une société où c'est plus le girl power, boss lady, donc c'est vraiment les femmes sont au pouvoir, elles prennent le pouvoir, en tout cas, pour leur entreprise. Elles font de très, très bons chefs d'entreprise parce qu'elles ont la tête sur les épaules, elles sont organisées, elles arrivent à vraiment bien gérer, parfois, plus que les hommes, quoi. Donc, non, c'est vraiment... vraiment positif. –
Et une petite parenthèse sport avant de se quitter, puisqu'après le fiasco du match contre Liverpool et les explications douteuses du ministre Gérald Darmanin, eh bien, le gouvernement change de tactique pour les matchs de la Champions League. Au lieu des matraques et gaz lacrymogènes, eh bien, les policiers ont distribué aujourd'hui des flyers de prévention et du maquillage au Stade de France pour la rencontre France-Danemark. Il faut savoir que la communauté internationale n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé et que ça risque de compromettre effectivement l'organisation des JO 2024. Et donc la France qui essaie de se rattraper après effectivement avoir un peu accusé les supporters de Liverpool pour ces échauffourées. Les Anglais qui n'ont pas du tout accepté cette explication. On a eu aussi un petit peu une version un peu douteuse sur un complot venant de la Russie qui aurait perturbé le match. Mais enfin bon, l'essentiel c'est un peu de reconnaître ses torts, ils ont un peu du mal, mais ça viendra. Voilà chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Visiblement la situation est en train de se débloquer du côté des marins pêcheurs. Les signatures seraient en cours justement pour la levée du blocage dans le chenal. Donc il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude pour les festivités de ce week-end à Marie-Galante. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez prendre votre pied. En tout cas, soyez prudents dans tous les cas. Prenez soin de vous, de vos proches. Pas trop d'excès, hein, c'est ça qui nuit la plupart du temps. Une bonne soirée à vous, en tout cas, à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Moi, je vous retrouve lundi. Bisous, bisous tout le monde. Et on se retrouve mardi d'ailleurs, apparemment c'est week-end prolongé ce week-end, donc lundi ce sera férié, donc je vous retrouverai mardi, bon ça nous laissera plus de temps pour festoyer, n'est-il pas ? Ça, c'est très intéressant. En tout cas, je souhaite un bonsoir et un beau week-end à Marius Labissi, Moïse Caramel, Joli Cœur, Joël Bazit, Marie-Lou, Paco El Paquito, Livia Elocini, bonsoir à Gridou, Chou, à Patricia de Normandie, bonsoir à Jimmy Kamagouva, Aliar, bonsoir à Perle de Caru, Kira. Bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Kitoun Cyprien, bonsoir à qui d'autre, à Yvonne Dacour, à Kensi Dulcé Rita, au général Franck Abar, bonsoir également à Dominique Landry, j'espère que tout le monde se porte bien, passez un bon week-end, moi je vous laisse en compagnie de Séverine Méridan pour Sport 10 et on se retrouve comme je vous l'ai dit mardi, plein de bisous à vous, ciao.